6054 sur le nombre des entreprises absentes du fichier des impôts au Cameroun. Selon des analyses comparatives menées conjointement dans les systèmes informatiques des douanes et des impôts, de nombreuses entreprises ne sont pas répertoriées dans le fichier des contribuables actifs de la Direction générale des impôts. Par contre, elles restent opérationnelles dans le système informatique des douanes. Et au niveau de l'État, il y a deux administrations, l'administration fiscale intérieure dirigée par la Direction générale des impôts et l'administration fiscale de porte qui est dirigée par la Direction générale des douanes. Il se passe donc que ces deux administrations ont mis en place une cellule impôt-douane qui devait être amenée à centraliser les opérations entre ces deux administrations fiscales. Malheureusement, la cellule impôt-douane a été considérée comme un organisme de garage et du coup, son travail n'a plus été effectif. Et ce travail qui n'a plus été effectif a fait que le nombre de contribuables qu'il y a à la porte n'est pas connu à l'intérieur et vice-versa. Une situation qui constitue un manque à gagner sur les recettes fiscales camerounaises et qui pourrait engendrer de lourdes conséquences pour celles de ces entreprises qui ont choisi délibérément de flouer le fisc camerounais. À la Direction des douanes et aux impôts, on donne jusqu'au 15 septembre 2017 la possibilité à ces entreprises de régulariser leur situation. Si les contribuables sont dans cette situation, volontairement, il vaut mieux pour eux qu'ils aillent se faire réimmatriculer ou se faire immatriculer parce que sinon le jour où ils vont être bloqués pour des papiers fiscaux et que leur protecteur ne soit plus là, ces gens-là vont rencontrer des problèmes au niveau des impôts et il est mieux pour eux maintenant d'aller se faire réidentifier, de devenir des contribuables honnêtes et de payer honnêtement leurs impôts. La Direction générale des impôts a engagé un vaste processus de dématérialisation de ses services. Depuis 2016, la télédéclaration des impôts en ligne est effective, tout comme la demande de remboursement des crédits TVA et la délivrance en ligne de l'attestation de non-redevance. L'opération d'assainissement et d'harmonisation des fichiers de contribuables est en cours pour une optimisation des recettes.